bien, très bien. Merci. الناس اللي قدرتي تتبعي نقصوا مازال واحد شويه سيل تو بلي خلي الا بغيتي خلي واحد شويه خلي ما يكون ناقص تري بيان تري بيان ميرسي يونس سي محسن كومون سافا كيف دايرتي وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا كيف دايرتي احوال عليا بليزير دو تو ريفوار مو دو ميم سي توجور ان بليزير دو تافوار سوا اوتو دان كافي سوا وانا جالس تبدا كنقرا من عندك وعلاش اخويا كافي دير ماكله وديريكت وصافي غدا ولا عشاء واش تجي نديروها وبشويه وكاع داكشي شي دابا هضرت دابا تو فامو موتيفي بور دوني سميتي موتيفاسيون طاغ ها لو مونجمون تري بيان تبارك الله عليك عندي واحد السيد من المحبين ديالك من جوج وقت يتسناك وي سي عاشور سي محمد فينا سي محمد سي محمد عاشور كاين ولا ما كاينش سي عاشور سي عاشور دابا هو شوف الى قالك اذا حضر الماء بطل التيمم دابا انا حضر سي سي يونس انت وين كنا يونس تو كاين يونس اون طون كانيماتور سي محمد كاين موجود انا شوف انا ديزاكتيفي انا شوف انا كاع لي زيفينمون سي محسن راه ما يمكنش الله يحفظك السي عاشور واخويا انا اللي متبعك داكشي ديال لاجيل وكذا دابا انت خصك التشالنج ديال الهضره اللي غنقول انا اعتبر داكشي تخربيق لا الله يا ودي استاذ ديالي كريم الله يحفظك السي عاشور الله يبارك فيك يكرمك ومعاك عرفنا لاش شي ولا سي محسن راك داير نيت واحد لوفراج داغ في الباك جراوند اييه اي ومسالو نعيط ليه كنخدم على البروجي سي محسن قلت ليه هاد لي ما كنتيش باش نوصل لهادي قال لي ما فوقاش درتيها قلت ليه جمعي من المغرب صافي معايا واحد ليكسبير ويقول لي جو كرو كو ماروك اي طون افونس بارابور ا توت لي فيليير حق الله العظيم شفت الجير داكور لا شك في ذلك سي محسن تبارك الله عليه راه رجل العلم رجل تبارك الله عليه رجل الادب ياك سي محسن تبارك الله عليك بويت تبارك الله عليك دكتور انجينيور هيومانيست كاع داكشي اللي بغيت تبارك الله واخ كريم معلوم واخ استاذ تبارك الله عليك دايوغ راه كندير لك لابيب لاشين ديالك سي بلي سي محسن ما تنساش تبارطاجي معنا لين ديال لاشين ديالك باش نكبروا لي زابوني باش نزيدوا لك لي زابوني في لاشين ديالك Il se peut qu'il y ait des francisans, des participants qui ne comprennent pas forcément l'arabe. Peut-être ce que je propose, c'est que voilà que pendant le Saadi, Inch'Allah, qu'on puisse aborder le sujet qui, je sais, qui te tient beaucoup à cœur. Exactement. Les deux, en fait, l'architecture MGA ou digital, transformation digitale MGA. Enfin, très bien. En tout cas, effectivement, il y a deux Jean-Claude qui confirment le fait que voilà que concernant tout le monde ne parle pas forcément arabe, mais en tout cas, très bien. Bienvenue. Donc, en tout cas, juste pour mettre un cadre à cet événement-là, donc ça s'inscrit. Donc, pendant l'après-midi, on organise One, qui est cabinet de recrutement et de placement de consultants indépendants, organise une session de ce qu'on appelle nos Talents and Tech Recruiting Day. Donc, c'est une journée de recrutement et de partage principalement. Depuis 15h et jusqu'à présent, il y a des entretiens qui s'organisent sur 6 salles en parallèle, à une fréquence à hauteur de 4 entretiens, 4 à 5 entretiens par heure, par salle. Donc du coup, c'est encore en tout cas un échange très intéressant avec les candidats dans le cadre des besoins qui sont ouverts. Dans certains cas, juste des entretiens de prise de contact. Et là, les ateliers qu'on mène en parallèle, il y avait un premier atelier concernant le recrutement ou le contexte de recrutement IT aux États-Unis avec Joseph, Joe. Avant ça, il y avait la présentation de trois entreprises partenaires, SQLI, Docapost et Adria.
après la partie de Joseph. La troisième partie qui a pris fin il y a de cela, 20 minutes à peu près. On était sur 1 heure au départ et ça a été tellement, tellement, il y avait d'échanges, de partages intéressants que ça a dû durer environ 1h35 à 1h40 de durée. Voilà, c'était avec. Il y avait Badr Khaddari. Que des films. Je ne connaissais pas Jalal de près, mais quand même une très belle occasion de faire sa connaissance. Tu as lauréat de 2008 de l'INSEAS. Oh, c'est Mohamed, on a eu l'occasion d'avoir le feedback dialogue par rapport à la transition freelance, salarié freelance. Là, le sujet, c'est Mohamed, quand je l'ai contacté, la question était très simple. C'est Mohamed, on voudrait effectivement, encore une fois, que tu partages ma expérience directe sous un autre format. Webinar, c'est moi qui intervient maintenant sur les sujets d'expertise et de formation auprès de clients. Nos clients sont très satisfaits de la prestation de votre client sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect expertise technique, sur les sujets qu'il mène, soit sur le management du projet, soit dans certains cas sur de l'expertise sur des sujets très très pointus pour clarifier ou apporter des éléments de benchmark et d'orientation sur les projets. Ce sont des sujets qui sont opérationnalisables. On n'est pas sur de la théorie Samawi ou Edam, mais on est sur des choses vraiment très concrètes. Et nos clients sont très satisfaits de qu'on puisse le mobiliser sur des sujets d'éolon. Il y a également des sujets de formation et de préparation à la certification TOGAF. C'est Martin, il a une chaîne sur YouTube qui vient de partager maintenant. On a accès à sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. Il y a que c'est Martin. مرحبا دونك وشوف اللي دخل لا شين وداك الشيء ما لقاش شويه ديال اتاي تروك دو بيان فوني وكذا يسمح لينا راه هادشي اللي عطى الله في هاد لي ويبينار وهاد الشيء هذا هو الانكونفينيون ديالهم الفيرتويال اللي باغي يشوف بحسابي لا لا بالعكس بكل فرح. ميرسي اونكور فوا بور طون طون سي مواسي. فوالا جو سي دو لا بارول بور تو بيس لادون. عندك لا مان جو بونس عندك لا مان بور بوفوار بارتاجي ليكرون ديالك. Sinon, je change ton rôle en tant que co-host. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. J'ai fait des bêtises, Mohsin. Je l'ai transféré la partie dans participant, je suis désolé. Je l'ai disqualifié par erreur. Par erreur, désolé, c'est Mohsin. Et voilà. C'est Mohsin. Voilà. Tu peux maintenant partager. Très bien. Voilà, je te cède la parole pour que tu puisses présenter ta partie. Et pour l'instant, on n'arrive toujours pas à t'entendre, c'est Mohsin. Mais toi, je t'ai un souci. Petit, petit, là, une chauffe, là, une chauffe le sens. Allez, c'est Mohsin. C'est bon, c'est bon. Je crois que j'avais le son désactivé. Est-ce que Très bien. maintenant vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Parfaitement. Parfaitement, c'est Mohsin. Très bien. Alors, merci beaucoup, c'est Mustapha. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, de te revoir et de collaborer sur des sujets. Excellente initiative, notamment en ces temps d'incertitude, où les gens se posent beaucoup de questions par rapport à l'emploi. Et donc, avoir des sessions de recrutement, de détection de talents et de coaching à distance, je crois que c'est une initiative qui est très louable. Également, ravi d'être aux côtés des CHO, aussi on est des amis de longue date, et j'espère que ça va être intéressant pour nous tous. Donc, l'objectif, bon, il y a des slides, les slides sont là juste pour dire que j'ai fait un peu de homework, j'ai fait un peu de travail à la maison. L'objectif, ce n'est pas de dérouler les slides, l'objectif, c'est vraiment l'échange. Je vais essayer un peu de dérouler quand même les slides, avec comme objectif un peu de présenter un sujet qui me tient à cœur, comme a dit Simstar. C'est un sujet de prédilection, c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé depuis plusieurs années. J'ai été peut-être, sans vouloir me vanter, l'une des premières personnes au Maroc à être certifiée TOGAF en 2006-2007. C'était dans le cadre d'une multinationale et j'ai commencé depuis à travailler dans le monde de l'architecture d'entreprise. Avant, j'étais également architecte. Donc, j'ai commencé ce sujet qui est l'architecture depuis 2003. À l'époque, quand j'ai commencé en 2002-2003, et j'avais ce poste d'architecte technique, beaucoup de gens se posaient la question, mais c'est quoi encore ce nouveau truc? Architecture technique. On connaît l'architecture dans le domaine des bâtiments, certes, mais dans le domaine des systèmes d'information, ça vient faire quoi? Alors, et en fait, depuis, j'ai toujours eu ces questions qui concerne, c'est quoi l'architecture. Donc, je vais commencer un peu par ça, juste pour vous donner peut-être une définition, peut-être
c'est même pas ma définition, c'est une définition qui existe depuis des centaines d'années. Et en fait, j'ai trouvé par hasard un peu cette définition de ce que c'est que l'architecture qui a été donnée par un architecte romain qui s'appelle Vitruve. C'est juste pour vous dire que même si l'informatique c'est un domaine qui est nouveau, mais l'architecture c'est un domaine qui est beaucoup plus historique, beaucoup plus ancien et beaucoup plus mature. Alors, Had Vitruve, il a dit la chose suivante, très intéressante, en tout cas que je trouve intéressante. Il a dit que l'architecture, c'est une discipline qui cherche à établir une combinaison harmonieuse et un équilibre entre trois principes contradictoires. La beauté, la solidité et l'utilité. Et un architecte de système militaire, d'ailleurs les premiers domaines dans lesquels l'architecture s'est introduite, c'est principalement la BTP, le génie civil et le militaire. Et d'ailleurs, c'est souvent les sciences qui tirent vers l'avant ou vers le haut, beaucoup d'autres sciences en parallèle. Donc ce qu'il a dit, c'est assez intéressant, c'est assez édifiant. Pourquoi ? Parce que un architecte, c'est toujours quelqu'un qui cherche un peu un équilibre. Alors, un équilibre entre des choses qui sont souvent contradictoires. La beauté, la solidité, l'utilité. Alors, pourquoi les trois principes sont contradictoires? Parce que souvent, quand on va chercher à maximiser l'un d'eux, ça va être au dépens de l'autre. Et à Yves Chambré, on cherchait même à maximiser la beauté d'un ouvrage d'art, d'un pont, d'un bâtiment, de n'importe quel ouvrage de BTP. Quand on va chercher à maximiser la beauté, c'est souvent au dépend de la solidité. Quand on va chercher à maximiser la solidité, c'est souvent au dépend de l'utilité. Et quand on va chercher à maximiser l'utilité, c'est souvent au dépend de la beauté. Là, je peux vous donner des exemples. J'avais eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, c'est là où j'ai eu ma certification, de visiter Milan. Alors, Milan, elle est connue en Italie et dans le monde par quelque chose qui s'appelle l'architecture fonctionnelle. L'architecture chez Milano, souvent, vous allez rencontrer des villes qui sont très fonctionnelles. En fait, c'est des carrés avec des fenêtres qui sont également carrées où vous allez avoir toute la superficie qui est utile. Il n'y a rien qui est perdu. D'accord. Mais, à la différence d'autres constructions qui sont toujours à Milan ou en Italie, ce n'est pas du tout beau à voir. C'est très utile, ça peut être moyennement solide, mais ce n'est pas nécessairement très beau à voir. Par contre, quand vous allez toujours à Milan voir, par exemple, le Duomo, le Dôme, la cathédrale, la grande cathédrale de Milan, c'est un édifice extrêmement imposant, mais avec beaucoup de surface inutile, avec beaucoup d'espace qui n'est pas utilisé. Et donc, tout ça pour dire que souvent, quand on va chercher à maximiser l'une de ces qualités, ça va être au dépend de l'autre, et donc c'est des qualités qui sont contradictoires. Le rôle de l'architecte, c'est d'essayer de combiner ces caractéristiques de manière équilibrée, de manière harmonieuse. Alors, dans les systèmes d'information, ça va être la même chose. Dans le digital, ça va être la même chose. Comment pouvoir construire des systèmes qui sont beaux à voir, qui ont une expérience utilisateur intéressante, fluide, bien structurée et facile à utiliser, ergonomique, mais en même temps avoir un système d'information qui soit solide, robuste, fiable, et en même temps avoir quelque chose qui répond à des besoins, à un cahier de charge, à des fonctionnalités attendues. Ben, c'est toute l'intelligence du travail d'un art. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ce que ça peut paraître, quelque chose d'assez compliqué. Et avoir ce point d'équilibre cohérent, intéressant, c'est difficile à avoir. Donc voilà, alors, on peut réexprimer ça autrement, c'est chercher à établir un équilibre entre fonction, structure et forme. Alors, je vais passer ce slide, mais globalement, ce qu'il dit ici, c'est que dans l'architecture, il y a deux grands domaines qui sont importants et deux perspectives, une perspective théorique et une perspective pratique. Un architecte, s'il est complètement décorrélé de la pratique et de la vie courante,
on va se retrouver avec ce qu'on appelle un architecte dans sa tour d'ivoire. Quelqu'un qui va être dans sa tour en train de théoriser, en train de recommander des choses qui n'ont rien à voir avec la vie réelle. Là, on retrouve ce genre de pattern souvent au niveau organisationnel. Quelqu'un, souvent dans des organisations, un architecte, système d'information, qui fait des choses qui sont belles, mais qui sont complètement décorrélées de ce qui existe dans la réalité. Donc, pour qu'il y ait un bon équilibre, il faut qu'il soit dans la pratique, qu'il mette la main dans la pâte, mais en même temps qu'il soit dans la théorie. Parce que pour qu'il puisse voir la big picture, ce qu'on appelle la big picture, c'est en fait, il faut qu'il prenne de la hauteur. Alors, on ne peut pas voir toutes les facettes et toutes les perspectives d'une vue si on ne prend pas de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça veut dire un peu se détacher du réel. Donc, cet équilibre-là, encore, entre théorie et pratique, c'est fondamental dans le travail d'un architecte. Et comme j'ai dit, il faut prendre de la hauteur tout en gardant les pieds sur terre. Et ça, c'est également assez intéressant. Ça, c'est toujours de chez Vitruve. Un architecte, il doit avoir des notions de tout ça. Alors, ça doit être un géomètre, quelqu'un qui connaît bien la géométrie. Il doit connaître les modes parce que tout ça, ça se base sur des mesures, sur des calculs mathématiques, sur des formules. Mais c'est quelqu'un qui doit se connaître en anatomie et médecine, en optique, en acoustique, en droit, en théologie, en astronomie, en météorologie. Comme on dit, finalement peut-être marie. Mais ce qui est intéressant ici à dire, c'est qu'un architecte, fondamentalement, ce qu'il fait, il doit comprendre le métier. Et quand je construis un système d'information, une application digitale, notamment dans le monde digital, elle va être destinée à des utilisateurs. Il faut que je comprenne leur perspective. L'anatomie, je comprends pas l'anatomie ici. Parce que si l'architecte ne comprend pas l'anatomie, il ne va pas pouvoir, par exemple, bien positionner les fenêtres. S'il ne connaît pas l'optique et l'acoustique, il ne va pas permettre de construire, par exemple, un amphithéâtre qui est avec une sonorisation qui est parfaite et avec une visibilité qui est parfaite pour l'ensemble des gens qui sont au niveau de l'amphithéâtre. De théologie, parce que les plus grands ouvrages d'art ont été édifiés pour l'adoration de Dieu. Dans toutes les cultures, il y a le christianisme, le judaïsme, les religions qui ne sont pas monothéistes, l'islam, les plus grands ouvrages d'art ont été créés pour l'adoration de Dieu. Et on va trouver des patterns d'architecture assez extraordinaires dans des cathédrales, dans des mosquées. Et donc, il faut comprendre là également que c'est des éléments. Alors, l'astronomie également, parce qu'il y a des ouvrages d'art qui sont construits pour pouvoir regarder les cieux, pour pouvoir interroger les cieux. Et donc, vous allez voir qu'un architecte, c'est quelqu'un qui doit avoir une multidisciplinarité qui est assez intéressante. Et un informaticien, l'informatique, c'est quelqu'un qui doit s'y connaître un peu en sécurité, qui doit se connaître un peu en réseau, en système, en base de données, qui doit connaître un peu les enjeux du développement web, mobile ou autre, qui doit comprendre les enjeux du métier et dialoguer et avoir le langage cohérent avec les gens du métier, qui doit pouvoir comprendre les aspects juridiques, réglementaires, qui doit comprendre l'approche risque. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir cette multidisciplinarité qui est assez intéressante. Alors, je termine cette introduction par ces quelques citations assez intéressantes, à mon sens. La première, elle vient du Gartner, « Architecture is a verb, not a noun ». C'est très intéressant, et je trouve que ça résume beaucoup de choses par rapport à l'architecture. L'architecture, c'est un verbe, c'est une action. Alors, parce qu'en anglais, il y a « the architecture » and « to architecture ». Et donc, ça peut jouer le rôle de verbe et de nom. Mais en fait, ce que dit le Gartner, c'est beaucoup plus un verbe. C'est-à-dire, en fait, c'est une action. Ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose qui se fait dans l'action, dans les projets. Et en fait, pourquoi c'est important et pourquoi je trouve que cette citation elle est intéressante? Parce que c'est une citation qui permet justement de référer à le débat, à la contradiction. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'architecture et l'agilité en contradiction. Qui voulaient que l'architecture est contre l'agilité. Parce que l'agilité, généralement, je suis dans l'action. Je suis sur les projets et j'apprends en faisant. Et je conçois pendant le projet. Cette citation elle vient pour dire que l'architecture est complètement compatible avec l'agilité parce que c'est quelque chose qui ne se pratique pas en théorie
et dans la tour d'ivoire de l'architecte, mais c'est quelque chose qui se fait sur les projets. Donc, il faut faire de l'architecture. Alors, également, assez intéressant, just enough architecture, just in time. En fait, je dis souvent qu'il faut de l'architecture avec les projets, comme ce qu'il faut en termes de sel dans la nourriture. Alors, je ne suis pas un expert en cuisine, donc je ne peux pas vous être très utile là-dessus. Mais en tout cas, on met des épices dans une recette, juste ce qu'il faut et juste au bon moment pour que ça donne le goût qui est attendu. Mais il ne faut pas en faire trop. Si on en fait trop, au bout d'un certain moment, ça va être un mangeard. Donc, comment mesurer, comment doser correctement le travail d'architecture de manière à ne pas bloquer les projets et de manière à ce que ce soit vraiment utile et que ça donne ce goût additionnel qui est vraiment utile pour le travail. Alors, assez intéressant, en fait, Frank Lloyd Wright, c'est un architecte, c'est l'un des plus grands architectes du XXe siècle, c'est lui qui est derrière le musée Guggenheim à New York, c'est quelqu'un de très connu. Alors, il a dit deux choses très intéressantes. La première, c'est « Architecture is much about art as it is about construction ». C'est de l'art et c'est de la construction. En fait, c'est la convergence des sciences et des arts. Est-ce que l'architecture, on doit avoir cet esprit d'artiste. On doit bien structurer, on doit avoir un schéma, on doit avoir des plans, on doit avoir cette logique artistique. Mais en même temps, c'est de la science, c'est beaucoup de sciences. Donc, ça se base beaucoup sur la logique, sur le bon sens, ainsi de suite. Et ce qu'il a dit encore de plus intéressant, c'est que every great architect is necessarily a great poet. Donc, un bon architecte est nécessairement un bon poète. C'est toi, ça. Mais en fait, il y a beaucoup de similitudes entre l'architecture et la poésie. La poésie, elle est belle. Et là, cet équilibre entre beauté, solidité et utilité. Je trouve qu'on a une bonne pièce de poésie. Il y a cette solidité. Donc, il faut cette beauté d'expression. Et puis, bien sûr, il y a l'objectif de la poésie, l'objectif de la léwa. Donc, il faut cet équilibre. Et souvent, quand on fait de la poésie, il y a cet exercice d'équilibrisme qui est similaire à ce que fait souvent un architecte. Voilà, bon, je ne vais pas passer en revue toutes les citations, mais c'est juste pour vous donner envie par rapport à ce sujet qui est l'architecture. Je voulais en fait également parler de quelque chose. Bon, malheureusement, je n'ai pas le slide ici, mais je vais en parler parce que justement, on est dans un événement de recrutement. L'un des meilleurs jobs classés aux États-Unis, en tout cas pratiquement toutes les années, faire la dernière décennie, c'était le job d'architecte. C'est toujours classé soit en premier, soit en deuxième, en tout cas dans les 10 premiers jobs, toutes disciplines confondues. On est d'accord avec mes chers ingénieurs, toutes disciplines confondues, c'est toujours bien classé dans les classements. Pourquoi? Parce que c'est un job qui est assez intéressant en termes de salaire, souvent qui est assez très demandé, on n'en trouve pas beaucoup de bons architectes, mais c'est également un job qui permet de ne pas être souvent stressé, parce qu'on ne subit pas nécessairement le stress liés les projets. On n'est pas dans le delivery. Et donc, on a cet équilibre entre le niveau de stress, entre le niveau de salaire qui est assez intéressant, en plus, bien sûr, de l'évolution que ça permet pour aller vers des postes de management, des postes de décision. Parce que c'est également un équilibre entre le management et entre l'exécution. Et ça, c'est ce qui fait, en fait, tout l'intérêt de ce métier-là. Alors, c'est une image que je projette souvent dans la formation. Sauf que c'est moi aussi, je pense qu'il y a un petit décalage de projection. Là, c'est mieux, là, c'est visible. Il y avait un petit décalage entre l'image et ce qu'on voit. Très bien, très bien. Je t'en prie, vas-y. Très bien. En fait, l'image, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que ça démontre pourquoi on a besoin d'architecture. Alors, dans la plupart des organisations aujourd'hui, notamment les grandes organisations, je pense qu'il y a une banque, une assurance, un opérateur télécom, je pense qu'il y a une organisation publique, de n'importe quel état qu'il soit, souvent on se retrouve avec le système d'information qui devient un mammouth.
le système d'information au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'il y a une historique, parce que il y a une évolution qui se fait sur le temps. Mais la chasse chez on se retrouve avec un mammouth, on se retrouve avec la construction que personne ne connaît en totalité. Chacun a sa petite vision, sa petite perspective qui n'est pas complète de ce que c'est que le système d'information. Et souvent, quand il y a une personne qui part, c'est une bonne partie du savoir et de la connaissance qui existe au niveau de la DSI, au niveau de l'organisation autour du système d'information qui part. Donc, la problématique ici, c'est quoi? C'est que plus on est... Alors, ce que vous voyez, bien entendu, c'est un éléphant. On est capable de le dire pourquoi? Pourquoi je suis capable de le dire? Bah, tout simplement parce que j'ai du recul. Est-ce que les bonhommes et les bonnes femmes qui sont juste vraiment devant chaque petite scène, est-ce qu'ils sont capables de dire que c'est un éléphant? Pourquoi? Alors, ils sont capables de dire les détails. Ils sont plus capables de décrire de manière détaillée ce qu'ils voient. Mais ils ne peuvent pas avoir la big picture. Et c'est exactement l'un des intérêts de l'architecture d'entreprise. Au fur et à mesure que les systèmes d'information évoluent, et notamment avec aujourd'hui tous les efforts qui se font dans le cadre de la transformation digitale, on se retrouve avec des mammouths, des petites briques, des fois entre lesquelles il n'y a pas de lien, on ne fait pas de lien, et donc on se retrouve avec quelque chose d'assez complexe, d'assez difficile à discerner. Et donc l'un des rôles de l'architecture d'entreprise, c'est de donner de la visibilité, parce qu'on ne peut pas construire une vision, et on ne peut pas conduire une transformation si on n'a pas de visibilité. Il faut partir déjà de ce qu'on a. Alors, parmi les choses qui font souvent défaut au projet de transformation digitale aujourd'hui, et ça, je le constate parce que j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'accompagner plusieurs organismes, c'est que souvent, on va toujours avoir des blocages avec l'existant en termes de système d'information. Il y a une legacy, une complexité, il y a des difficultés à comprendre, à connaître les liens et les dépendances. Et donc, pour pouvoir faire évoluer ce système existant, on a du mal. Tout simplement parce que on ne peut pas tirer vers l'avant ce mammouth si on ne connaît pas que c'est un éléphant. Et donc, mieux connaître ce qu'on a en termes de système d'information, mais également ce qu'on a en termes de métier. Et ça, c'est également l'apport que donne l'architecture, c'est qu'elle lie le système d'information en tant que patrimoine de l'entreprise avec les processus métiers, avec l'organisation et avec les différents éléments de l'entreprise. Et ça, c'est un élément fondamental. Ça permet de mieux comprendre aussi bien pour les gens du métier que pour les gens de l'informatique. Et donc, quand on va mener des projets de transformation digitale, on va se retrouver avec un savoir et un savoir-faire. Alors, Mustapha, je ne sais pas si il y a un problème de connexion. En tout cas, il y avait quelques lenteurs, mais en tout cas, ce n'était pas très, très méchant. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, si ça persiste, tu me dis comme ça, je peux éventuellement basculer sur une autre connexion. Pour l'instant, le message passe. En tout cas, si ça persiste, je te ferai signe. Très bien. Okay. Alors, bon, je vais passer là également, mais tout ça, c'est juste pour dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de faire de l'architecture d'entreprise si on a la petite maison dans la prairie? Bon, bien sûr, la plupart d'entre vous ne connaissent pas la petite maison dans la prairie. Les gens anciens... Là, par contre, c'est moi, si ça persiste. Alors, sauf si je me trompe. Je vais faire la chose plus lente. En tout cas, en attendant Non. Vas-y, je t'en prie. Bon, c'est Mani. C'est Mac. Voilà, je t'écoute. Très bien, parfait. J'espère que là, ça va être un peu plus clair. Donc, je vais suivre sur. Alors, pourquoi on fait de l'architecture d'entreprise? Là également, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que l'architecture d'entreprise, c'est une discipline qui peut servir à beaucoup de choses. Parce que plus on connaît l'existant et on développe une vision de la cible, plus ça va permettre de faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça permet d'aligner le SI avec le métier. Souvent, ces deux mondes, le métier et le SI, ces deux mondes qui ne se parlent pas. Et quand ils se parlent, c'est souvent avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup d'incompréhension. Donc, la capacité d'aligner le SI et le métier, c'est quelque chose de très, très important. La capacité également de
mieux connaître son existence, donc de développer une visibilité, une maîtrise de l'existence. C'est, elle est fondamentale, alors fondamentale pour le transformer, mais fondamentale également pour le gouverner. Parce qu'un SI, c'est énormément de choses. C'est un ensemble de serveurs, c'est un ensemble d'applications, c'est un ensemble de bagages. C'est bon, si ça va? Oui, bien, bien. D'accord, c'est parfait. Donc, c'est vraiment un ensemble de briques qui sont assez complexes et assez diversifiées. Et donc, qu'est-ce qu'on veut gouverner, c'est-à-dire comment on va pouvoir les gérer dans leurs évolutions, comment on va pouvoir prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Je peux vous donner des exemples. J'ai travaillé avec des comptes où on se retrouve avec un ensemble d'applications qui existent, qui sont là, qui sont déployées sur les serveurs, mais qui ne sont jamais utilisées. C'est un historique, on a dû les déployer, et au bout d'un certain moment, on ne les utilise pas. Mais personne ne le sait. Et donc, ce genre d'incohérence, bon, ça existe alors pour des applications, mais ça existe encore plus pour des infrastructures matérielles et logicielles. Beaucoup de logiciels ont été achetés à un moment ou à un autre, personne ne sait à quoi ça sert. En tout cas, ils sont déployés, ils sont en train de consommer de la maintenance, ils sont en train de consommer de l'argent en termes de support, mais ils ne sont pas utilisés. Ça, c'est la réalité de beaucoup de systèmes d'information. Alors, les gens, les débutants, bien sûr, ils ne vont pas comprendre ça, mais quand vous regardez sur une durée de 20 ans, 30 ans, l'évolution des systèmes d'information, là, il y a eu des SI qui sont partis, d'autres qui sont venus, quelqu'un qui voulait faire quelque chose d'une certaine manière, qui a acheté un logiciel, un autre qui a développé un truc dans le cadre d'un stage. Tout ça, c'est la réalité complexe d'un système d'information. Et donc, avoir cette maîtrise de l'existence permet de gouverner. Gouverner, donc prendre des décisions par rapport à l'évolution pour décommissionner éventuellement des choses, pour ramener de nouvelles choses, pour fusionner des choses existantes, pour rendre indépendant d'autres choses. Et tout ça, c'est un prérequis pour la transformation. Et donc, quand on parle de la transformation digitale, ce n'est pas juste apporter. Souvent, tout le monde, on a, bon, au Maroc, mais même dans d'autres pays, on a cette vision de la transformation digitale, et elle, on va ramener de la technologie, d'accord, on a un système d'information qui est ce qui est, d'accord, et on va ramener de la belle technologie, de la belle cosmétique, d'accord, du maquillage, et ça va nous résoudre tous les problèmes qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a ramené un peu de big data par-ci, 2 kilos de mobile par-là, un peu d'intelligence artificielle de côté, et du jour au lendemain, on va transformer notre système. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, ça, c'est le syndrome. Bon, je vais le dire, en Maroc, ça veut dire tout simplement qu'on a un existant qui est ce qu'il est. Bon, je n'ai pas arrivé à traduire ça, c'est pas malheureusement pour les gens qui ne parlent que français, malheureusement. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a du maquillage sur une figure. Même en utilisant les kilos de maquillage, ça ne va rien changer. Donc, du coup, c'est la réalité de beaucoup de projets de transformation digitale. Et souvent, c'est de la cosmétique. Alors, j'ai vu, par exemple, des projets de transformation digitale où on a fait... l'étage digital factory avec les poufs, avec les écrans, avec les tableaux, les flowcharts, les machins, le truc, mais finalement on n'a rien délivré. Je connais des camps, au bout de un an, deux ans, qu'est-ce qui a été livré? Pas grand chose. Donc, on a fait de la cosmétique, certes, mais sur une réalité qui n'a pas pu se transformer. Et la réalité, ce n'est pas uniquement la réalité du système SI, mais c'est également la réalité de l'organisation, du RH, du mindset, de la culture. Toutes ces réalités-là, on ne les a pas adressées. Donc, du coup, on se retrouve avec ces incohérences. Et justement, l'un des rôles de l'entreprise, c'est d'assurer cette cohérence entre les choix techniques et les choix métiers, de manière à ce que ça va. Ça va de pair. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Peut-être, je ne sais pas si, Mustapha, est-ce que je dois m'arrêter là? Parce que je crois qu'il y aura des... Je m'arrête 3 minutes, ne serait-ce que pour s'il y a des éléments à détailler. Après, ouais. La prise, les questions-réponses, il y a deux façons de faire. Soit, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager tout de suite. Comme ça, j'aurai le temps de les parcourir et les partager, mais c'est moi-ci, lors de la phase des questions-réponses. Il a abrité, c'est moi-ci, on se donne, mademoiselle, je ne sais pas, chez...
3 petites minutes, je vais faire la compte. Ok, excellent. Alors, je voulais parler de deux choses. Parler de l'agilité médecine, parce que on a beau transformer le SI, on a beau ajouter de nouveaux outils, créer et mettre en place de nouvelles technologies, au final, il faut que l'entreprise ait cette agilité. Quand on parle d'agilité, la plupart des gens vont directement penser à l'agilité en termes de projet. Mais pour arriver à cette agilité en termes de projet, pour que ça fonctionne correctement et que la transmission se fasse, il faut qu'on ait d'abord une agilité métier. Ça veut dire quoi l'agilité métier? C'est la capacité de l'entreprise à se transformer pour prendre en considération de nouveaux produits, pour mettre en place de nouveaux canaux de distribution, pour faire face à de nouvelles réglementations, pour intégrer de nouveaux partenaires, pour réorganiser et intégrer de nouvelles organisations. C'est toutes ces transformations qu'aujourd'hui l'entreprise a l'obligation de faire. Avant, c'était un choix. On pouvait se dire qu'on va innover ou pas. Aujourd'hui, soit on innove, soit on meurt. Soit on fait du digital, soit on meurt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus aujourd'hui, par exemple les banques, il y a un mouvement qui a commencé l'année dernière au Maroc. C'est un mouvement de fermeture d'agences et qui va s'accélérer sur les années à venir. Donc, le métier bancaire exercé sur un canal de distribution classique comme l'agence est en train d'être revu, reconfiguré. Et donc, pour faire face à de nouveaux entrants, aujourd'hui au Maroc, on a quand même une certaine réglementation qui donne un peu d'équilibre au marché. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pression de la FMI et de la Banque mondiale qui vont faire qu'on va nécessairement, d'une manière ou d'une autre, déréglementer. Et donc, du coup, il y aura de nouveaux entrants. Et dès lors qu'il y aura des nouveaux entrants, bah, automatiquement, c'est de la concurrence un peu plus rude que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la nécessité, ou la capacité à lancer de nouveaux produits, de nouveaux services rapidement, ce qu'on appelle le time to market, devient fondamentale chez l'entreprise. Et donc, cette agilité, c'est cette capacité à se transformer bien, à se transformer vite, pour justement répondre à ces enjeux du marché. Et ça va au-delà du digital. Ce n'est pas juste une question d'un produit ou d'un service à mettre sur un canal digital. C'est vraiment transformer complètement et de manière fondamentale la façon avec laquelle on voit le produit et le service. Aujourd'hui, le produit bancaire, alors les services bancaires qui sont offerts, ils sont à revoir complètement. Parce qu'il y a de nouveaux besoins, parce qu'il y a de nouveaux enjeux et parce qu'il y a une nouvelle réalité. Et ça, c'est encore plus accru avec cette période d'incertitude qu'est le Covid. Alors, je vais juste avancer, je ne vais pas. Je voulais quand même partager avec vous ce slide-là qui parle de l'architecture et de la gestion de projet. Parce que souvent, on va se dire, alors, quand on va mettre de l'architecture, on va bloquer les projets. Alors, quand je suis chef de projet, mon enjeu majeur, c'est délivrer ce qui a été demandé avec le bon timing, avec le bon budget. Donc, maintenant, quelle est la différence? En gestion de projet, généralement, j'ai une vision court et moyen terme. Je délivre un projet et je le mets en selle, je le mets sur les rails pour que ça fonctionne. Après, je passe à un autre projet. Par contre, l'architecture, elle va au-delà du projet. Elle peut voir sur 3 ans, sur 5 ans, sur plusieurs projets, sur une succession de projets, ce qui est très, très important. En gestion de projet, j'ai une approche verticale, en profondeur. Mon objectif, c'est vraiment que mon projet, avec tous les détails qui ont été exprimés comme besoin, soit réalisé et livré. En architecture, je n'ai pas une approche en profondeur. Par contre, j'ai une approche transversale et horizontale. Généralement, je suis sur des niveaux de détail un peu plus faibles en architecture que en management de projet. Par contre, mon objectif, il va au-delà de la cohérence au sein du projet. Ça va vers le sens de la cohérence globale des choix faits dans le cadre des projets et des choix ici de manière un peu plus global. Donc, en fait, il y a des gens qui opposent ces deux disciplines, d'ailleurs, même ceux qui opposent l'architecture à l'agilité. Je crois qu'il y a un dosage, il y a un équilibre à mettre en place de manière à ce qu'on n'avance pas sur des actions de delivery qui ne soient pas cohérentes avec une vision long terme. Et en même temps, qu'on construit une vision long terme qui soit actionnable à travers des projets. Et cet équilibre, c'est vraiment l'enjeu, souvent, des DSI. Malheureusement, souvent, on n'a pas cet équilibre. Soit on est beaucoup dans le delivery, et là, on perd de vue la cible, on perd de vue la cohérence, on perd de vue
la normalisation et la qualité. Et souvent, on va se retrouver avec des choses qui sont livrées, qui sont rapidement abandonnées. Et puis, de l'autre côté, l'autre extrême, c'est qu'on soit uniquement dans la théorisation, en train de définir des architectures long terme, mais qui ne sont pas actionnables ou qui n'ont pas la, sont pas réalistes ou réalisables. Voilà, de manière globale, bon, il y avait beaucoup d'autres choses à partager, mais je crois que l'objectif, c'est surtout d'échanger. Effectivement. Effectivement. Merci, c'est moi aussi. Effectivement, je sais que le sujet est très dense. Le sujet, même pour l'analyser, il faut aller en profondeur, effectivement, sur pas mal de notions, peut-être, pour que les gens aient au moins la même compréhension, même définition des terminologies, avant de se pouvoir gérer à la commandeur. Sachant que là, de sujet, dans l'occurrence, il fait partie d'un programme de formation que nous gérons, mais c'est moi qui le dis ici, le programme dure 4 jours. Et ce n'est pas pour rien que, qu'on dédie 4 jours des projets, des formations, on le fait en week-end en particulier. D'ailleurs, là, dans 3 semaines, il y a une session de prévue à Casablanca, en tout cas en mode remote, pour les intéresser, pour pouvoir approfondir les concepts. Là déjà, ce que je propose, c'est que on va changer de manière de faire live pour pouvoir poser vos questions, si vous permettez, ou après on pourra je dirais on pourra peut-être aborder d'autres questions. Je cherche rapidement un book à, quelque part, parce que Faisal qui pose la question. Mais je peux partager, mec. Faisal, non, c'est pas là. Design for digital, je m'ai dit. How to architect your business for sustainable success. Donc il y a ce sujet-là que je peux partager avec Faisal Ben Hayoun par la suite si tu souhaiterais aborder le détail. Il y a un autre, la bibliothèque en tout cas, il y a un autre que je pourrais partager. Je pourrais même partager d'autres titres par la suite. Alors, qui est deux personnes, je voudrais, si vous souhaitez prendre la parole, si tu peux par la suite partager d'autres bouquins, d'autres noms. Mais ce que je propose, c'est que Kane Hilali, d'accord, Kane HB, je voudrais qu'on vous entende par rapport à vos questions. Parce que des questions et par là déjà objectif pour HP, objectif pour on peut commencer par l'un comme par l'autre. HB, votre nom s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites et vous pouvez poser vos questions ici. Moi aussi, l'interaction elle est la plus importante de l'histoire quand même. Vous avez vu que même les slides sont denses. Mais je pense qu'on peut orienter la discussion vers les sujets qui vous parlent le plus, là sur lesquels vous souhaiteriez avoir la réaction d'Yves Simassi. Alors, HB. Salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam, oui, parfaitement. Donc déjà, bravo et merci pour cette présentation. J'ai juste une question, donc il y avait deux choses qu'il a citées. Il y a, c'est que un architecte, à quel moment on peut se dire que la chaîne, donc un peu toute la chaîne, pour dire que je suis un architecte. Sauf qu'aujourd'hui, dans les entreprises, etc., on se trouve avec des architectes d'entreprise ou vraiment, la chaîne quand même là, donc je ne sais pas comment ils sont devenus des architectes, ça, de deux. La deuxième question, elle est indiquée, c'est que la grande problématique que je rencontre, que je vois dans les systèmes d'information, c'est que quand j'ai une société, par exemple, je ne sais pas, McKinsey ou autre, etc., c'est elle qui fait l'architecture. Et du coup, elle ne suit pas l'implémentation. Donc, il y a toujours la problématique. Donc, pour moi, en fait, en agile, c'est l'équipe projet qui est la première, la dernière responsable des décisions d'architecture prises. Dans le cadre projet, c'est deux choses que je vois contradictoires. Je ne sais pas, si Mohsin, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et comment remédier à ces problématiques. Donc, très bien. Alors, ma première question, c'est... Oui, mais d'autres questions, c'est moi qui indique ça en réponse. Il a quand même plus pratique pour toi. Donc, là, c'était HB qui a pris la parole, c'est bien ça? La première question, c'était quoi? Je crois que ça, il y avait une coupure. En tout cas, on parle les gens s'autoproclament architectes, de toute façon que Kano juste sur une partie. Très bien. C'est une partie là-dedans. L'autre question, Diel, je pense, je me permets, si moi, de lire également quelques questions. Hein.
Et je pense que tu as accès également à cette liste-là. Tu as posé beaucoup de questions. Et je pense que ça mérite d'en faire un atelier de 2 heures. C'était pertinent. Alors, quelle est la question d'Anas Al-Alawi? Salut, salut Anas. Ce qu'il voulait que c'est dit, ça peut être quoi les livrables d'un architecte d'entreprise? D'accord. Quelle est la question les jette deux fois, de deux façons différentes? Est-ce qu'on doit toujours associer architecte avec le technique? J'entends souvent parler d'architecte fonctionnel. Et plus bas, j'ai vu quelqu'un, les Darbinao, effectivement, au sein des entreprises. Les entreprises mélangent, je pense, Fouad Lucas. Fouad, j'ai l'impression que les entreprises marocaines mélangent les différents types d'architecture applicative, data, métier, infrastructure. Les offres d'emploi dans le domaine, effectivement, sont généralement très confus. On ne peut pas avoir un bon architecte qui maîtrise, effectivement, tous ces volets. Quel est votre sentiment? Sentiment, c'est Mohsin. Parce que j'ai gagné à sous la langue. Je souhaite partager. Quelle est la question de Téléra? Voilà, on agile. L'équipe projet est la première et dernière responsable des décisions d'architecture prises dans le cadre du projet. On agile. L'équipe projet est la première et dernière responsable des décisions d'architecture prises dans le cadre des projets. Ce que je propose, c'est qu'il y a une manière de lever la main. Si vous voulez parler, partager la question d'Yelcom en mode audio, je pourrais prévoir ça également. Vous dites peut-être, c'est moi, une autre ou les deux autres questions. Voilà, Omar Drewish qui voulait que quelle est la différence entre architecte d'entreprise et urbaniste. Une prestation d'architecture d'entreprise auprès d'un client passe-t-elle pas forcément par la compréhension du business pour livrer une prestation de qualité, sachant qu'une prestation est souvent limitée dans le temps. Donc, je te laisse monter les questions à dos. Pour Faisal Kbila, j'avais présenté Designed for Digital. Et également, en tout cas, ce sont deux bouquins que je pourrais partager, en tout cas, à tour de rôle pour les personnes qui souhaiteraient se documenter ou lire des bouquins. Ken Agile Business Architecture for Digital Transformation, d'Adil Mahmet. Et ils disent, bon, en tout cas, l'auteur ouvre les dents. Je ne fais pas de pub, hein. C'est juste, je partage juste quelques lectures que j'ai commencées depuis quelques semaines, quelques mois. Et puis le dernier, Enterprise Architecture for Global Companies in Digital IT Era. Ce sont de trois books pour je pourrais partager ça avec vous si vous le souhaitez. Voilà, c'est Mohsin. Alors. Alors, je vais répondre aux questions simples en premier. Comme ça, on va élaguer les. Alors, les questions simples, entre parenthèses, parce qu'il y avait des questions sur les livrables d'architecture, les types de. Les exemples de modélisation, de modèles qu'on peut produire en temps. Alors, déjà, en termes de livrables d'architecture, bon, c'était un peu dans la présentation, mais bon, je crois qu'on a dû. Alors, il y a, je dirais, trois types de livrables dans l'architecture. Premier livrable, c'est ce qu'on appelle le livrable descriptif. Donc là, vraiment, on est dans la description. Généralement, on modélise. Alors, on modélise. Il y a différents types de modélisation. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des catalogues, des inventaires. On peut avoir des modèles, des diagrammes. Et on peut avoir des matrices de dépendance. Donc ça, c'est la partie modélisation, c'est la partie description. D'accord? Ça, il y a ce volet qui est très, très important. Le deuxième volet, c'est un volet qu'on appelle prescriptif. Parce que l'architecture, elle établit également des normes, des règles, des bonnes pratiques, des standards. Et donc, les principes, les normes, les bonnes pratiques, les standards, c'est des choses qui vont régir la façon avec laquelle on va concevoir et faire évoluer les systèmes. Alors, je vais parler de systèmes, pas nécessairement de systèmes d'information, même en termes d'organisation et en termes de métier. Parce que bon, la parenthèse que je voulais faire tout à l'heure et qui est importante, et d'ailleurs qui fait référence à une autre question, c'est que l'architecture n'est pas que ici. Quand on parle d'architecture entreprise, c'est d'abord une architecture métier. Et la présence de ce qu'on appelle un business architect, c'est très, très important dans une organisation. Malheureusement, aujourd'hui, en tout cas au Maroc, dans les pays anglophones, on trouve souvent ça. Et souvent, l'architecture entreprise, d'ailleurs, si vous référez par exemple à un standard comme ITOM dans les opérateurs télécoms, l'architecte d'entreprise, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe stratégie. Parce qu'il y a des volets d'orientation du métier en termes d'organisation, en termes de process, en termes de façon de faire, en termes de produits et de services, en termes de flux métier, que ne peut faire qu'un architecte. Parce que quelqu'un qui est sur le métier, il peut avoir cette expertise en profondeur, mais il n'a pas nécessairement cette vue en largeur. Donc, il y a également ce rôle métier. D'ailleurs,
pour répondre à la question d'un architecte par rapport à un urbaniste, l'urbanisation, c'est une discipline qui a été principalement définie en France et qui a eu du succès dans les pays francophones. L'équivalent de l'urbanisation, c'est l'architecture d'entreprise dans le monde anglophone. Il n'y a pas la notion d'urbanisation, ça n'existe pas, le terme n'existe pas. Finalement, en fait, l'urbanisation à la française, qui a été construite autour notamment du club urbain SI et qui est devenu depuis plusieurs années club urbain EA pour entreprise architecture, c'est tout simplement une partie de ce que fait un architecte d'entreprise. On ne va pas jusqu'au métier, on reste au niveau du fonctionnel. Et puis on ne descend pas jusqu'à l'infrastructure, on descend principalement au niveau de l'applicatif. Donc, c'est, on ne couvre pas toutes les couches et on ne couvre pas également toute la partie évolution. Et donc, c'est le troisième type de livrable que je voulais évoquer, c'est l'architecture active. Donc, il y a l'architecture descriptive, donc la partie description, la partie prescriptive, comment je vais régir l'évolution et la conception. Et la partie active, c'est les projets. Parce que dans l'architecture, je dois également définir pas uniquement l'existant et la cible, mais également le chemin pour passer de l'existant à la cible. Et dans ce chemin, il y a des projets. Et donc, l'un des points d'entrée des projets, c'est le travail d'architecte. Mais à la différence, et pour répondre à la question la question tout à l'heure, c'est valable par rapport au rôle de l'architecte, le rôle de l'architecte ne s'arrête pas à la phase de définition. Et en fait, ça, c'est un peu l'une des contradictions qu'on va trouver dans le métier. Et l'architecte, et c'est pour ça que souvent, il y a des entreprises qui croient qu'en faisant venir un cabinet pour faire l'architecture, ça s'arrête là. C'est un métier et c'est une activité continue dans l'entreprise. Parce que je veux bien définir une belle architecture cible, mais qui me garantit que dans les projets, ça va être respecté. Donc, il faut que l'architecte soit en amont dans la phase de définition, mais il faut qu'il soit également intégré et impliqué dans les projets pour garantir la cohérence et pour s'assurer qu'il y a les bons leviers de transmission entre les projets. Il y avait également la question, alors, il y avait une remarque également sur ce qu'on appelle l'architecture intentionnelle et l'architecture émergente. Je crois que c'est important également. Et justement, dans la logique de l'agilité, on parle, alors comme on a parlé à un moment donné de la conception émergente, emerging design, donc l'agile qui boucle la conception, on ne la fait pas en amont. La conception, elle émerge au fur et à mesure du projet. Il y a également l'architecture émergente. Donc, il y a une architecture intentionnelle qui est définie en amont. On va arrêter, on va vouloir respecter. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, on va pouvoir rectifier. Donc, on va avoir ce qu'on appelle l'architecture émergente. La question de tout à l'heure également sur les profils et l'autoproclamation. Aujourd'hui, en fait, quand on n'a pas la profondeur, on va toujours s'autoproclamer. Aujourd'hui, même les jeunes start-upers, il y a ce qu'on appelle les autoproclamés PDG. Président directeur général. Président d'ILH, normalement, président, c'est pour la conseil d'administration. Je mets une conseil, mais moi ou Abouhdou, elle est dans la PDG. L'architecture, on peut se retrouver effectivement avec ce genre de pratique. Alors, idéalement, un architecte, ce qu'on douze, il a passé par un cheminement. Hal Souluk. Cheminement, c'est-à-dire tout simplement qu'il est passé par des phases. S'il n'a pas fait de projet, c'est très difficile pour un architecte de réussir, en tout cas dans sa relation avec les chefs de projet. S'il n'a pas fait d'infra, à part seulement l'infra et de la sécurité, il va avoir du mal à dialoguer avec les gens de l'infra et de la sécurité. Et c'est fondamental. S'il n'a pas de connaissance du métier, s'il n'a pas eu affaire à... Alors, bien sûr, il ne faut pas prétendre que l'architecte doit avoir toutes ses compétences. Avec son sourire. Donc, donc, en fait, tout ça pour dire que aujourd'hui, un architecte, ça n'arrête le métier sur une construction. Alors, est-ce qu'on peut avoir un architecte junior? Oui, on peut avoir un architecte junior. Et souvent, au niveau d'une école d'ingénieurs, alors, on fait un peu le tour. On fait la logique en largeur. Alors, on touche un peu à l'administration, on touche un peu à la sécurité, on touche un peu au développement. Pas en termes de profondeur, mais on peut toucher. Et dans le cadre de l'exercice du métier, on va pouvoir toucher à des projets infra, à des projets qui ont des enjeux métiers, à des projets qui ont des impacts applicatifs, à des projets où il n'y a que du codage, et ainsi de suite. Et donc,
ça permet de construire. Les différents profils d'architectes, effectivement, on trouve des gens qui mélangent les genres. Et ni, je donne un exemple aujourd'hui, typiquement, architecte fonctionnel, architecte métier, on ne fait pas la différence. Bon, entre parenthèses, même si fonctionnel, ça n'existe que dans les pays francophones, des fois, on ne fait pas la différence entre un architecte technique logiciel et un architecte technique infra. Souvent, les gens font que c'est un architecte technique. Et là, en fait, il y a beaucoup de mal. Alors, les gens disent que c'est un architecte technique, c'est souvent quelqu'un qui s'occupe de la partie infrastructure, des serveurs, du cloud. Allô, oui? C'est bon? Donc, sur les exemples de livrables, j'avais un peu. Voilà, je. Mais bon, du coup. Mustapha, est-ce que c'est bon? On t'entend bien, c'est Mohsen, on t'entend bien. Merci. Parfait. Donc, Hades, c'est le genre de modélisation. Alors, l'avantage de la modélisation, c'est que ça permet de décomplexifier le complexe. Il y a une vue qui est très complexe. Le métier d'une entreprise qui est là, une assurance, ou un opérateur télécom, une administration publique, là, c'est énormément de choses. Pour pouvoir très rapidement assimiler, là, c'est la modélisation. Là, c'est un exemple de modélisation. Il y a un mapping entre les fonctions métiers, les processus métiers et les applications. Donc, très rapidement, je peux voir qu'il y a des domaines qui ne sont pas couverts, il y a des domaines qui sont couverts doublement, il y a des domaines qui sont faiblement couverts, moyennement couverts. Donc, je peux analyser très rapidement. Alors que si je n'ai pas... Alors, ça, c'est un exemple. Je peux vous montrer d'autres exemples. Il y en a un exemple qui détaille un métier, notamment le métier bancaire. Alors, on dit tout le métier bancaire qui est décrit. On a une matrice de dépendance. Donc, il y a beaucoup de types de livrables et de modèles qui permettent de simplifier des choses qui sont par nature assez complexes. Voilà, je ne sais pas si j'ai plus ou moins abordé. Très bien. Quand tu as une question, Hilali, si tu peux, s'il te plaît, juste Hada, reprendre tes questions, s'il te plaît. Ou juste après. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Là, c'est mieux, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Simohsin, pour cette présentation. Okay. Et voilà, donc j'avais noté quelques questions et des remarques, parce que notre interaction ne doit pas être limitée uniquement à des questions, mais peut-être aussi des apports et des remarques. Donc, je commence par les questions. En fait, c'est est-ce qu'il y a une méthode pour mettre en place l'agilité au niveau métier, à l'instar de ce qui se passe au niveau pilotage de projet? Il y a des méthodes agiles, Scrum, par exemple, pour accompagner l'équipe projet dans leur réalisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à ça pour réaliser une agilité, pour mettre de l'agilité au niveau métier? Donc, ça, c'était la première des questions. Et je reviens aussi à votre comparaison que vous avez dit tout à l'heure, en fait, que mettre en place une transformation digitale, ou du moins montrer le résultat de la transformation digitale, on fait un peu de dosage, c'est-à-dire un peu on met un plateau agile par-ci, des chaises un peu cosy par-là, une application mobile par-ici. Mais ça, pour moi, en fait, ce n'est pas dépourvu de sens. Si on regarde le sens même de l'agilité et les principes, les valeurs de l'agilité, il faut des moyens qui sont les chaises, l'espace agile et un état d'esprit et un peu de logistique. Mais aussi, il faut être orienté résultat. Il faut prouver qu'on peut faire des choses, même dans un état premier et qui ne répond qu'à certaines fonctions. Mais c'est déjà ça. C'est déjà une preuve que le produit il est en train d'émerger. Donc, voilà. Donc, c'était une première remarque. Deuxièmement, la transformation digitale et l'agilité sont étroitement liées. Donc, de ma modeste expérience et de mon point de vue, je ne peux pas concevoir d'entamer une transformation digitale qui est en train de se réaliser, parce que on ne vit pas actuellement uniquement à l'ère de la transformation digitale, mais on vit aussi modestement à notre échelle à l'ère du digital lui-même, c'est-à-dire le résultat de la transformation digitale. Donc, l'agilité et la transformation de tout ce qui est digital, c'est étroitement lié. Je reviens au troisième point et je finis. C'est la notion, et vous en avez très, très bien, je l'ai noté, donc je le dis, vous en avez très, très bien parlé, c'est la notion de l'architecture intentionnelle et l'architecture émergente. Donc, ce qu'on nous a conçu en amont, VS, ce qui émerge
au cours de la réalisation des projets. Donc, pour moi, la meilleure façon, l'une des meilleures, donc je pars sous votre contrôle et vous allez répondre sûrement, l'une des meilleures façons de faire de l'architecture d'entreprise, c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre entre l'architecture intentionnelle, c'est-à-dire on vient avec une architecture qui est issue, pas du néant, mais d'une réflexion poussée, une réflexion mature et rationnelle, mais aussi cette architecture intentionnelle ne puise sa véracité et son efficacité qu'en se confrontant avec la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, il est souvent en relief et il y a des points qui peuvent émerger. Donc le rôle d'architecte, c'est de veiller au grain à ce que ces deux points trouvent leur équilibre et se nourrissent l'un de l'autre, parce que l'intention n'est pas forcément absurde et l'émergent non plus. Donc voilà. Le troisième point, excusez-moi, c'est dans l'extension de cette réflexion, l'agilité intentionnelle versus l'agilité émergente. Et la méthode agile pour un architecte doit être une imprégnation profonde. C'est-à-dire que l'architecte ne doit pas uniquement se contenter d'assister au rituel agile de tous les projets. Si on suppose qu'il y a plusieurs projets qui sont en train de se mener en parallèle dans un plateau agile, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, il y a 2, 3, 4, 6, 10, 10 projets qui sont en train de se dérouler et chacun tient son rituel agile. C'est sprint planning, c'est daily meeting, etc., etc. Donc, il ne peut pas assister à tous, mais en même temps, il doit être présent à tous. Il doit être à la fois, garant de l'architecture, mais être présent partout. Donc, c'est jouer un peu le rôle de voyeur dans tout ce qui se passe, dans tous les projets, et essayer d'apporter son point de vue. Et voilà. Voilà mon intervention et je vous remercie encore. Merci. Merci. Je voudrais, il y a un commentaire, c'est moi, juste avant, je voudrais partager deux, trois questions, si vous permettez. Dieselwa, parce qu'il les a posées, ça fait quand même un bout de temps. Dieselwa se pose la question, comment évaluez-vous la maturité de l'activité de l'entreprise, enfin, l'architecture d'entreprise au Maroc en termes de compréhension de l'activité, moyens, impact, etc. Donc, il a posé la question tout à l'heure. Où je pense qu'il a apporté un autre complément quelque part. La question de l'imbédra, là, monsieur a dit, on est souvent dans la confrontation plutôt que la convergence des deux, agilité et architecture. Je passe à une autre question plus loin. Voilà, quels sont les moyens d'un projet technique en Marc Villa? Jean-Claude, pour la question, un exemple de modélisation, de cartographie, d'architecture. Je pense qu'on en a, je ne sais pas si on a passé rapidement, mais s'il y a besoin, on peut l'afficher à nouveau. Fouad, mélange, oui. Je suis désolé, j'essaierai de gérer ou au moins de poser toutes les questions. Adana, là, c'est toi qui pose la question, comment évaluer la maturité de l'activité au Maroc? Il a posé la question, il est intervenu, oui, là. Ça, c'était moi, Ayoub. Voilà, très intéressant. Voilà, Youssef Tolban. Salut Youssef. Bienvenue. Alors, n'y a-t-il pas un problème de marketing banalisé de la transformation digitale qui a mené aux échecs de beaucoup de projets qui, pour le client, s'agissait seulement d'informatiser des opérations métiers données. Alors qu'il fallait vendre la transformation digitale dans la vision d'architecture d'entreprise qui nécessite des efforts rigoureux du client et d'autres parties prenantes. Donc, la banalisation du marketing banalisé de l'architecture d'entreprise. Qui m'a dit que là, tu veux dire que là, elle est là, oui, merci. J'espère ne pas avoir. Il y avait des questions par rapport à la formation. Il y a mon adresse m.moutout@novasi.com. Avec grand plaisir, dès demain ou dès ce soir, je vous apporte les éléments qu'il faut, y compris le programme détaillé et le prix. Hatim Tadili, merci infiniment. J'aimerais avoir juste votre retour par rapport à la différence entre architecte technique et architecte d'entreprise. On est par rapport à la maturité de cette différence au Maroc. Et voilà, c'est loi, project delivery versus architecture. Abder, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre expert architecte dans les titres, expert et architecte dans les titres des offres d'emploi? Et voilà. J'espère avoir parcouru toutes les questions. S'il y a des personnes qui voudraient intervenir, Ada, Ayoub, Abou, je ne sais pas, j'ai une question oralement. Dès qu'on fera le tour des questions à dos, on pourra revenir vers toi, éventuellement vers d'autres personnes. Ça te va, c'est moi, Sim?
Ça me va, merci beaucoup. Je pense que c'était bizarre des questions. Très bon. Je sais que c'est dense, on essaiera de gérer au mieux les interrogations. Très bien. Alors, je vais commencer par les titres. Architecte technique, architecte d'entreprise, expert. Moi, sincèrement, entre un architecte et un expert en général, la différence que je trouve personnellement, c'est qu'un expert, c'est quelqu'un qui est vraiment en profondeur sur un sujet. Un architecte, ce n'est pas nécessairement un expert. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus en largeur. Walakin, à travers la modélisation, il peut se rapprocher de l'expertise. Mais il ne peut pas se prétendre expert. Il n'est souvent jamais expert de quoi que ce soit. Parce que souvent, à travers la modélisation, on arrive à se rapprocher de la connaissance de quelqu'un qui a passé des années et des années dans un métier. Rien que la modélisation de processus, ça permet de se rapprocher de la maîtrise métier de quelqu'un qui est sur le terrain. Bien sûr, ça ne va jamais remplacer l'expertise réelle, humaine, du terrain, mais c'est quelque chose qui permet de se rapprocher. Mais c'est deux approches différentes, une en profondeur et l'autre en large. Les titres, Zama, sincèrement, j'espère qu'on va dépasser les questions sur les titres. Comme on m'a dit, architecture is a verb, not a noun. Je peux même pas ne pas avoir le titre. Je suis dans les projets. J'assure ce rôle d'architecte. Aujourd'hui, beaucoup de team leaders, de référents techniques, assurent un rôle d'architecture technique dans les projets. Et c'est un rôle qui est très louable. Ils ne peuvent même pas ne pas avoir le titre, entre parenthèses. Mais je crois que... Alors, la maturité, justement, c'est une question qui se rapporte également au titre. Aujourd'hui, je dirais qu'au Maroc, le sujet de l'architecture d'entreprise, c'est un sujet... Qui commence à se connaître. Alors, il y a des sphères où c'est bien connu, il y a des entreprises, notamment les grandes entreprises, et notamment celles qui sont des filiales de multinationales qui connaissent très bien le sujet. Vous allez regarder les filiales des grandes multinationales dans le domaine bancaire, assurance ou autre, ils sont sur l'architecture depuis plusieurs années. Depuis, moi, j'ai travaillé dans l'architecture dans une multinationale depuis 2005. Et donc, ils sont un peu plus matures. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai besoin d'architecture quand on a des filiales, quand on veut maîtriser l'évolution des systèmes d'information des filiales, quand on veut mettre en cohérence les systèmes d'information, ce besoin est de plus en plus important. Il y a un problème pour l'administration publique. Alors, quand on compare le Maroc par rapport à d'autres pays, même des pays du Moyen-Orient, par exemple en Arabie Saoudite, en Sultanat d'Oman, aux Émirats, à Singapour, en Jordanie, vous allez trouver une vraie pratique d'architecture d'entreprise gouvernementale. Moi, j'ai travaillé, par exemple, en Arabie Saoudite avec une entité qui est National Enterprise Architecture, qui fait partie de l'agence digitale et qui définit les architectures d'entreprise. Et en fait, cette architecture d'entreprise, elle est une partie intégrante de l'approche de la transformation digitale au niveau des organismes publics. C'est tout à fait normal et légitime parce que l'architecture d'entreprise, elle permet justement, et là, l'un des rôles, c'est de maîtriser l'existant au niveau des administrations pour mieux le gouverner, pour mieux l'optimiser et pour assurer sa cohérence et son intégration. Chose qui est vraiment fondamentale pour l'administration publique. Donc, sur ce sujet-là, malheureusement, on n'a pas la maturité nécessaire. Sur les organismes, là également, alors, il y a des organismes où on ne va pas vraiment avoir besoin d'architecture. Je suis dans une industrie qui est complètement orientée vers un ERP. L'ERP couvre 90% de son métier. L'enjeu de l'architecture, il est un peu limité. Mais je suis dans un autre organisme où j'ai des petits briques par-ci, par-là, qu'il faut intégrer, qu'il faut mettre en cohérence et qu'il faut transformer. Là, vraiment, le besoin d'architecture, il s'impose. Il y avait, je crois, les questions d'Elselwa sur... Alors, d'abord, sur l'architecture vis-à-vis de la delivery. C'est un vrai enjeu. C'est très, très important de comprendre, en fait, que l'architecture elle est impliquée dans le délivré. Tout à l'heure, il a parlé de l'intégration de l'architecte dans les squads, par exemple, agile. Maintenant, il faut juste dire une chose. C'est que si l'architecte est au four et au moulin, il ne va pas pouvoir jouer pleinement son rôle. Là également, si on est trop dans l'action, on ne va pas avoir ce recul nécessaire pour pouvoir planifier et faire de l'architecture intentionnelle. Et en même temps, si on est trop... Donc, cet équilibre entre le délivré... Il faut comprendre la maille. Dans l'architecture d'entreprise, la maille est un peu plus grosse que la maille dans les projets. Je ne suis pas dans la spécification.
il peut y avoir des choses que je peux changer dans le projet, dans le cadre de l'espoir ou des limites. L'architecte n'a même pas besoin de connaître. Pourquoi? Parce que ça ne va pas impacter l'architecture. Si vous voulez, c'est comme, on atteint un exemple. Je suis dans une maison, j'ai construit la maison. Je peux faire des petits changements par-ci, par-là, sans avoir besoin de l'autorisation des autorités. Parce que c'est des choses qui ne vont pas impacter. Tant que je ne construis pas quelque chose, tant que je ne change pas le plan existant, je peux faire les modifications qui me viennent à l'esprit. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de faire appel à un architecte. Et en fait, la définition de la maille est très, très importante. Parce que si je tombe dans la spécification, dans le détail, le rôle d'architecte ne va pas être... Après, bien sûr, il y a les leaders techniques, les référents techniques qui vont être sur les projets et qui vont être dans l'action. Je ne sais pas ce que j'ai couvert, si Mustapha. Il y avait une question de Selma, je crois, avant. La maturité d'IEL. La maturité, en fait, j'ai un peu essayé de répondre. Ah, il y avait une question également de le marketing, si je crois. Oui, il y a beaucoup de buzz sur la transformation digitale. Aujourd'hui, tout le monde veut s'y mettre, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... il y a une ruée vers la transformation digitale, mais pas réellement, effectivement, de manière très profonde. On essaie beaucoup plus de répondre à des enjeux tactiques que des enjeux stratégiques. Et on l'a vu d'ailleurs même avec la période du Covid, à un moment donné, bien sûr, on était dans l'obligation de digitaliser certains services, de dématérialiser certains processus, mais... on n'est pas dans le long terme. Et justement, l'un des rôles de l'architecture d'entreprise, c'est de permettre de faire cette transformation de manière plus long-termiste. Et donc, dans une logique d'impact, pas uniquement dans une logique de création rapide de valeur. Et ça, à mon sens, c'est ce qui manque un peu à la transformation digitale gouvernementale. Aujourd'hui, il n'est pas nécessairement, il ne s'inscrit pas dans la durée parce qu'on n'est pas, on ne se base pas sur une approche parenthèse intentionnelle. On est beaucoup plus sur des actions, sur des problématiques immédiates à gérer et sur des risques à prendre en considération. Bien. Très bien. Merci, c'est Mohsin. Si tu permets, on va prendre encore 5 minutes pour pouvoir libérer par la suite les participants et te libérer toi aussi. Hein. Je sais que la journée est trop chargée pour toi. Mais une maîtrise poussée de son domaine de compétences, effectivement. Un architecte est un skill, c'est une compétence. L'architecte lui-même peut devenir expert dans son domaine. Donc, effectivement, merci pour la contribution. Et peut-être la dernière question, peut-être d'Yel de Hilali, qui dit, est-ce qu'il y a une méthode pour mettre en place l'agilité métier, comme c'est le cas pour le projet Scrum? En tout cas, juste pour le partage, si Hilali, c'est que nous-mêmes, au sein de Novancy One, l'agilité métier, c'est quelque chose qu'on a déjà implémenté. On n'est pas dans l'IT, mais on est un cabinet de recrutement et de placement de consultants indépendants. Et tous nos projets de recrutement, on les gère avec. On a mis en place en interne un framework, Talent Acquisition Framework. On a implémenté tout le process. On est sur 10 sprints de livraison des candidatures avec nos clients. Tous les clients ne sont pas forcément. N'adhèrent pas à cette façon de faire, mais la plupart, puisqu'on travaille principalement avec les S2I et les clients, les entités IT, que ce soit des ISI ou autres, donc ils ont l'habitude de ces démarches-là et ça a des échos très, très impressionnants quand même. Au lieu qu'on travaille sur un projet pendant 2 semaines et livrer des CV qui ne sont pas forcément dans la cible, le fait de livrer au bout de 3 jours, sachant qu'on peut livrer même au bout de 4 heures, on peut livrer ou proposer des candidats à nos clients, 3 jours maximum, on peut livrer des candidats, proposer des candidats à nos clients pour qu'ils puissent réagir dessus rapidement, pour par la suite rectifier le tir et qu'on soit pleinement dans le scope. Donc effectivement, c'est juste un exemple dans le métier du recrutement avec tous les rituels associés à l'agilité, etc. On n'est pas dans des daily meetings, par contre, on est sur des meetings chaque 2 jours, par contre. Voilà, Mahat, c'est Mohsin. Si tu veux peut-être apporter un complément, il dit que pourquoi TOGAF, malgré qu'elle est ancienne, a resté leader en tant que référence pour les architectes. Salut Hatim. Et puis je reviens à la question d'Yel Hilali. Est-ce qu'il y a une méthode pour mettre en place l'agilité
métier au MBAD, une petite conclusion, si moi, si vous mettez. La formation, là, un lien par la suite, mais vous pouvez très bien reprendre contact avec moi. Je vous laisserai mon adresse email s'il y a besoin de complément d'information. Voilà. Alors, pour la question de Sihatim, pourquoi Togaf est resté, même s'il est ancien un leader, c'est vrai que, sincèrement, Zama, moi je faisais partie à un moment donné de l'Op Nouveau. Donc, j'ai contribué avec l'Op Nouveau. D'ailleurs, j'avais participé à l'une de leurs conférences. Et notamment, il y avait cette contribution sur la partie planification stratégique. Ça, je parle de 2010-2011, je crois. Ce que je note, c'est que l'Open Group, aujourd'hui, il ne fait pas évoluer le standard de manière très rapide. L'avantage, quand même, c'est que TOGAF s'est basé sur du bon sens et sur un retour d'expérience. Alors, l'Open Group, c'est un consortium composé de plusieurs entreprises et même des administrations, ils ont capitalisé sur le retour de TAFIM, de FEAF, de d'autres frameworks. Donc, ça fait que c'est quand même quelque chose qui reste valable même aujourd'hui. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'évolutions d'AutoGAF qu'on n'a pas vues. Alors, typiquement, maintenant, aujourd'hui, parmi les sujets qui peuvent être intéressants à voir, c'est l'architecture d'entreprise orientée client. On est Customer Oriented Enterprise Architecture. C'est un domaine qui peut être très intéressant et comment intégrer les clients dans la réflexion d'architecture. Il y a d'autres sujets, notamment des sujets, justement, l'agilité métier évoqué Sylvie, qui sont assez intéressants et qui doivent être également pris en considération de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus cohérente au niveau de domaine. Mais en tout cas, ça reste... Alors, il y a eu d'autres frameworks, d'autres essais de frameworks, par exemple... PR, qui est Pragmatic Enterprise Architecture Framework, et des essais de framework agile et tout, mais ils n'ont pas eu le consensus, si vous voulez, de l'industrie, puisque l'avantage de TOGAF, c'est qu'il est édité par l'Open Group, qui est plus ou moins. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de frameworks, pays, des pays américains, aux États-Unis, en Angleterre, ça a coupé, n'est-ce pas? Oui, ça a coupé, j'entends pas. Et c'est figé en plus. Ça a coupé, on n'entend rien. C'est moi, Sine. Le Moyen-Orient. C'est moi, Sine, il y a quelques coupures. C'est moi, Sine, on a. Ah oui, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? C'est bon. D'accord. Je rappelle juste ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des frameworks d'architecture d'entreprise gouvernementaux au niveau de certains pays qui ont capitaliser un peu sur TOGAF, qui ont capitalisé sur l'expérience des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, souvent, ont leur propre framework d'architecture d'entreprise. Ils sont souvent un peu plus pratiques. Moi, de toutes les manières, un framework, c'est juste un moyen pour pouvoir construire sur quelque chose de capitalisé, sur un capital. Au final, chaque entreprise doit pouvoir construire sa propre version personnalisée du framework. Il ne faut pas prendre TOGAF ou n'importe quel autre framework. C'est le cas même pour ISO 27000X, c'est le cas de ITIL. En fait, il ne faut pas le prendre comme un tout et un ensemble qu'il faut avoir en totalité. Il faut le prendre avec des pincettes. Il faut prendre les choses qui sont utiles et rejeter les choses qui peuvent être lourdes. D'ailleurs, mon TOGAF, il y a beaucoup de choses qui sont assez lourdes. Je reviens juste très rapidement à la question de Sylvie. En fait, aujourd'hui. Je pense à un commentaire avant que tu puisses répondre à la question de s'il te plaît, Mohsin. Sylvie, rapidement, s'il te plaît, là, un commentaire. Non, je n'ai pas de commentaire. Bien. J'avais juste un mot qui est, il ne faut pas calquer. C'est ce que j'avais juste un mot qui reformule la pensée d'Elsie Mohsin, peut-être. C'était il ne faut pas calquer les méthodes d'Elsie, il faut les adapter. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ma question reste sur l'agilité métier. Alors, très bien, merci beaucoup. Sur l'agilité métier, je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a des méthodes qui sont inspirées d'autres domaines. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle le lean startup. Alors, dans le domaine des startups, il y a une façon de structurer l'entreprise et de voir son métier. Donc, le Lean Startup, c'est une manière d'instaurer une certaine agilité. Et également les méthodologies d'innovation, typiquement le design thinking, qui est très souvent utilisé pour faire évoluer les processus métiers et faire évoluer de manière un peu plus globale les métiers. Mais est-ce qu'il y a une méthode ou un cadre qui permet de cadrer en fait cette agilité métier? À mon sens, en fait, souvent l'agilité métier, c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas aujourd'hui, il peut y avoir des travaux de recherche dans ce sens. Je connais les travaux de recherche qui ont essayé d'aborder le sujet,
qui peut être mesuré. Il y a la capacité de l'entreprise à se transformer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont inspirées, plus d'autres disciplines, notamment le start-up et le design thinking, qui sont une manière d'instaurer une certaine agilité métier. Il faut juste noter une chose, c'est que l'agilité métier va au-delà des processus. C'est l'agilité organisationnelle. C'est l'agilité en termes de mindset, de culture. Et donc, dedans, il y a l'aspect ressources humaines, l'aspect formation. Il y a tous les aspects qui ont été abordés tout à l'heure par Sim Staffa et qui sont fondamentaux dans une entreprise. Aujourd'hui, on a un exemple très simple. Parmi les éléments clés de l'agilité et qui manquent terriblement dans le domaine de la transformation digitale, c'est l'agilité des achats. Chez Maras, quand une entreprise veut mettre en place la transformation digitale, ou elle qui met l'agilité correspondante au niveau des achats. Elle a un processus d'achat qui est très classique, très structuré et très réglementé. Et lourd. Et donc, souvent, on se retrouve avec une contradiction. Pour le besoin de la transformation digitale et là, besoin de produits agiles, on a un exemple, et le cloud. Pour pouvoir consommer des ressources et des services cloud, chez Maras, l'entreprise met un dash au niveau des achats, les mécanismes pour le faire. Donc, comment voulez-vous qu'elle puisse faire un pas vers la transformation digitale? Donc, chez Maras, il y a des contradictions qui nous ont ajoutées au niveau du sourcing et notamment des ressources humaines. C'est pour ça que souvent, les entreprises, quand ils veulent mettre en place leur digital factory, souvent, ils le font en partenariat avec des SS2I. Pourquoi? Justement pour acquérir, au travers de ce partenariat, une agilité de sourcing. Chose qu'ils ne peuvent pas avoir en interne. Donc, c'est pour ça que la notion d'agilité métier, pour moi, c'est vraiment fondamental et c'est très... il faut la cadrer, il faut pouvoir la mesurer également. Il y a également une agilité en termes de culture, la capacité à changer de culture, à changer de façon de faire et à changer d'hypothèse. Bon, si moi, c'est rapidement avec Sarah Dine Adnard, qui est également Ayoub, c'est la deuxième fois qu'il demande la parole. Ce sera la dernière intervention avec Amkin. Ou dès que c'est un, il y aura une petite conclusion pour installer au atelier d'Iana. Ayoub, il y a, je crois, je ne sais pas qui d'autre. Ayoub, je pense, ouais, c'est lui qui a levé la main. Il y a Sarah. Allô, Samar. C'est bon. Allez, comme ça. C'est à Google National Profit Direct, peut-être pour qu'on puisse mettre dans un contexte. Il a quand même un junior full stack, JS. D'accord. Donc, déjà, ça fait plaisir d'être parmi des gens de votre calibre, comme ça, pas ce mois-ci, et des confrères aussi. C'est la formation 2018. Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'architecte junior. Donc, quels sont les pas que je peux franchir pour commencer une carrière d'architecte avec le niveau d'expérience en tant qu'ingénieur technique Java J2. Connais-tu l'expérience un peu près deux ans. Deux ans. Ouais. D'accord. Très bien. Okay. Une dernière question. J'espère ne pas avoir raté de questions, mais je pense que pour l'essentiel, monsieur Lekay. Oh, la question, c'est Mustafa, concernant la formation. Pour ce stade-là, l'expérience, la formation, les amas, il aura une valeur ajoutée au niveau de compétence, le fait de niveau aide, ou c'est mieux de mettre en stand-by pour après. D'accord. Alors, j'ai vu tout à l'heure Selwa qui a également levé la main. Je ne sais pas, est-ce que... Selwa, il a abriti, si tu veux une intervention, pas de souci. Hein. Je le fais tout de suite. C'est avec plaisir. Et bien, effectivement, c'était le cas de Bill. Hein. Effectivement, Selwa, c'est bon. Voilà. Hello, to talk. I'm mute. Là, c'est bon, vous m'entendez? Là, c'est bon. Sorry. C'est un plaisir d'être parmi vous, hein. C'est clair. Donc, en fait, je voulais juste intervenir là tout à l'heure par rapport à la question du niveau d'intervention de l'architecte d'entreprise en termes d'architecture ou au niveau du delivery. En fait, moi, de mon expérience, un petit, il y a deux choses. Soit on est sur de l'IT master plan, sur des schémas directs. Je peux avoir une idée par rapport à votre background, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis architecte d'entreprise. J'ai fait un parcours depuis le support fonctionnel jusqu'à l'architecture d'entreprise aujourd'hui. D'accord. Depuis là, ça va faire 14 ans, enfin, sur les télécoms particulièrement.
Voilà, donc en fait, sur les interventions, moi, des expériences que j'ai eues, soit effectivement on est dans une logique ou des interventions de schéma directeur, ou c'est ce que vous appelez l'architecture intentionnelle, effectivement, soit au niveau des projets, moi j'ai eu l'occasion d'accompagner certains projets, mais vraiment dans le delivery, mais lorsque justement on n'est pas dans l'aspect dans le cadre d'un produit ou d'un projet, mais plutôt quand il s'agit d'intégration. Alors, moi je pense que c'est vraiment indispensable que l'architecture soit présente, pour justement garantir qu'on s'aligne bien par rapport à la vision d'ensemble qui est définie dans le master plan, etc. Alors, je voulais juste ajouter un autre point, parce qu'effectivement, là, quand vous parlez des frameworks, vous évoquez effectivement les frameworks comme TOGAF ou autres d'un point de vue pratique d'architecture, n'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment, voilà, en termes de pratique d'activité d'architecture elle-même. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des frameworks qui permettent d'avoir, en termes de contenu d'architecture, des frameworks ou des modèles ou des cartographies à peu près à l'emploi sur lesquels on capitalise pas mal. Sur les telcos, le TMF propose pas mal de choses qui sont très intéressantes et très poussées comme réflexion. Donc c'est pas mal aussi. Alors je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Aujourd'hui, la plus avancée que j'ai vue, c'est surtout le TMF. Peut-être que vous pourriez en évoquer d'autres justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Alors je reviens à la question des CEO par rapport à l'évolution de carrière en termes d'architecture. Je crois que chacun peut tracer son propre chemin, mais de manière globale, plus le chemin est diversifié, plus on touche à plusieurs choses, notamment plusieurs types de projets. Alors, moi, j'ai commencé dans le développement pratiquement, et après, j'ai évolué au fur et à mesure pour avoir plus de transversalité, ce qui m'a permis d'évoluer vers l'architecture. Donc, oui, alors la formation, elle est intéressante, moi je trouve, en tout cas. C'est pas par rapport à, parce que bon, je fais la formation depuis 2008 pratiquement, mais la formation est beaucoup plus intéressante dans l'échange. Et souvent, dans la formation, on se retrouve avec des profils expérimentés, des profils moins expérimentés, et puis des profils qui viennent de disciplines différentes et variées. Ce qui permet justement d'avoir vraiment une richesse dans la discussion, dans l'échange, et surtout de positionner ce que doit faire l'architecte et comment il doit évoluer. Donc ça, à mon sens, c'est très, très important, et je crois que c'est l'un des rôles de la formation, au-delà du passage de la certification, c'est vraiment cet échange constructif qui se construit, et bien sûr, c'est des relations qui sont un peu plus pérennes. Sur la question de l'intervention des Célois, je crois qu'elle a... Il a beaucoup d'expérience et il a beaucoup de choses à apporter sur le sujet. Moi, sincèrement, sur le volet framework, ce que j'appelle généralement des frameworks métiers, il y a des référentiels, des modèles de référence métier. Alors, métier ou autre, ce qu'on appelle des modèles de référence en général. Effectivement, quand on parle du TM Forum, ben, c'est pas que c'est la partie métier, donc avec ITOM, c'est la partie data avec SID, c'est la partie applicative avec TAM, et puis c'est également la partie intégration avec avec TMA. Mais il y a d'autres. Alors, dans le monde bancaire, il y a un modèle de référence qui s'appelle BIAN. Dans le domaine logistique, il y a un modèle de référence qui s'appelle SCORE. Dans la sécurité, il y a également des modèles de référence. Dans le domaine industriel, il y a également des modèles de référence. Donc, il y a un ensemble de modèles de référence qui sont souvent soit orientés purement métier, comme ce qu'était ITOM à un certain moment, et c'est une capitalisation sur un savoir-faire sur plusieurs années d'exercice. Donc, c'est très utile parce que c'est un point de départ assez intéressant. Il y a d'autres également modèles de référence intéressants, c'est les modèles de référence qui intègrent ce qu'on appelle un référentiel de bonne pratique. Pour pouvoir construire la partie perspective de l'architecture, il faut avoir un référentiel de bonnes pratiques, de standards, de règles, notamment sur le codage, le mobile, d'autres domaines. Ça, c'est également très utile. Le domaine de la data, par exemple, aujourd'hui, ou le domaine de l'intégration, il y a des patterns d'intégration qui existent et donc des catalogues sur lesquels on peut s'inspirer pour pouvoir construire ses propres standards à bonnes pratiques. Voilà, de manière globale, et je crois que c'est des sujets d'ailleurs qui sont traités lors de la formation, mais c'est très important. Moi, c'est effectivement, parmi les choses d'ailleurs, ça a été évoqué, je crois, par Simstafa d'ailleurs, c'est important dans un domaine comme l'architecture de construire en fait une base de connaissances, une communauté de pratiques.
Et c'est important que les gens qui exercent dans le domaine puissent se regrouper pour pouvoir construire des choses qui peuvent être valables à l'échelle de plusieurs entreprises d'un secteur donné ou carrément du pays. Et je crois que ça ne peut être que positif parce que je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de valeurs ajoutées qu'il faudrait construire, qu'il faudrait formaliser, qu'il faudrait partager. Malheureusement, bon, on ne fait pas beaucoup de partage, beaucoup de... Mais je crois que c'est important et c'est au travers de ces événements de formation, mais également d'autres événements qu'on peut construire en tant que club ou en tant qu'architecte, qu'on peut faire avancer ces sujets au Maroc et faire avancer la mention. Merci, mais pour rejoindre l'idée de Sidi Mohsin, dans deux mois, en tout cas, on a un atelier de prévu, Charles, on a deux mois, justement pour pouvoir aborder l'architecture dans notre point de vue, là, dans notre angle d'analyse, mais d'ici là on aura l'occasion de définir la thématique précisément. J'espère peut-être que Mme Rafra pour partager un feedback et un retour d'expérience sur un sujet. Il y avait également Badouddin. Ça c'est le classique. Badouddin Kouila Zidou, mais en tout cas je vous remercie. Merci Soul. Il a quand même raison. Je vois, c'est en tout cas, je suis très très heureux. Anna, j'ai activé le micro parce que ça m'a fait halwa. Voilà. Merci beaucoup, c'est Mohsin. Tu sais, je suis très heureux à chaque fois d'avoir des échanges avec et d'apprendre de nouvelles choses avec. Franchement, c'est très riche à chaque fois, de ne serait-ce que qu'il y a un bagage de l'éloi extraordinaire, qu'il y a un mindset de partage qui est tout le temps là. Là, il serait là que j'ai vu également la vidéo YouTube. Diak, tu peux encore une fois, s'il te plaît, partager la chaîne Diak YouTube, Diak, encore une fois, pour les personnes qui souhaiteraient te suivre en dehors du contexte Diak l'architecture d'entreprise. Merci à vous, à toutes et à tous, pour votre contribution à travers vos questions, à travers les partages d'idées, à travers vos interrogations, etc. C'est toujours intéressant, enrichissant de le faire. Vous avez vu, initialement, on était sur une heure, d'abord, on est sur plus qu'une heure et demie. Ça démontre encore une fois la richesse du sujet et ce qu'on peut en tirer. Je vous donne rendez-vous très prochainement. On a un site web novinci.com si vous souhaitez d'une manière ou d'une autre suivre de près nos sujets, nos événements. Et malgré tout, comme il y aura un événement, on va partager sur mon profil LinkedIn prochainement les détails du dialogue pour un maximum de partage. Voilà, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a LinkedIn, Moutout Mustafa, on restera en contact. Merci pour votre présence. C'est Mohsin Ghani, le tarif. Merci beaucoup, c'est Mustafa. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci pour un nouveau Siwan, cette équipe agile et tout l'effort qu'elle fournit pour l'écosystème digital au Maroc, notamment sur les volets recrutement, formation et sur les volets de l'apprentissage, de la capitalisation et de la gestion de la connaissance. Et puis, bien sûr, merci à tous les participants. J'ai appris des choses aujourd'hui. J'apprends toujours dans ce type d'intervention. J'espère qu'on aura l'occasion, dans d'autres cadres, de partager encore plus et d'avoir plus vos interactions. C'est Rachaud, c'est Bad, c'est Younes, c'est toute l'équipe. Cédric l'a dit tout à l'heure, Sylvain, Youb, en fait tout le monde. Merci beaucoup pour vos interactions et à la prochaine, Charles. Inch'Allah. Merci. Très bonne soirée. Merci. À très bientôt, Charles. À la prochaine. Portez-vous bien. Salam alaikum. Salam alaikum.